Attention, ces écrivains et dessinateurs qui se réunissaient dans les années 50 dans le petit village de Montbliard pour faire de la politique, car ils étaient avant tout communistes, mais également donc du surréalisme, ces écrivains étaient de parfaits inconnus, un peu givrés, même beaucoup, mais dont certains sont devenus par la suite extrêmement célèbres. Achille Chavée, bien sûr, mais également le sculpteur Paul Bury qu'on expose mais dans le monde entier. À l'époque, ils ne savaient pas qu'ils formaient un groupe culturel dont des savants et historiens dissertent aujourd'hui dans des gros bouquins pleins de photos jaunies. Non. Idem pour leurs amis bruxellois qui étaient beaucoup moins politiques et qui, eux, se regroupaient dans un petit cabaret au nom bien poétique, la petite fleur en papier doré, et parmi lesquels on trouvait des gens comme Magritte, Delvaux, Scutener, Marien, Norge, etc. En fait, ils ont fait l'histoire, mais sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, les écrits et dessins de ces joyeux surréalistes de Montbliard ont été regroupés dans un centre d'archivage de la Louvière intitulé le Délibule. Oui, c'est le nom que ces surréalistes avaient donné à leur petite revue, mais à l'époque c'était un stencil, dans laquelle ils se défoulaient et dont l'emblème était l'escargot. Et c'est en allant visiter ce Délibule à la Louvière qu'on s'est rendu compte qu'ils archivaient également dans la même maison de la rue de la Loi, pas sûr qu'ils auraient aimé ce nom, les numéros du journal satirique libertaire El Batia Murzu, dont nous avons déjà parlé, et que dirige le peintre Serge Poliard, qui aurait d'ailleurs pu faire partie de ce surréalisme, mais bon, avec 70 ans de retard. Troisième constatation, en discutant avec Serge, on se rend compte qu'il connaissait très bien Siné, qui vient donc de décéder voici peu. Ce dernier avait même accepté de faire la page de garde, donc de couverture, de l'un des derniers Batia. Et ainsi, le cercle se referme. En résumé, tous ces gens faisaient et font partie d'une même mouvance artistique qui traverse des générations depuis une petite centaine d'années. Iconoclaste, gauchiste, mais vous allez voir qu'il refuse désormais ce vocable pour s'appeler libertaire, on en parlera, et surtout, plein de talent et bourré d'originalité. Délibule, ça vient de quoi? Parce qu'on en parle partout, mais c'est quoi? Délibule, je crois que tu connais un peu Montbliard. Et bien, on en vient, d'ailleurs tu viens après la séquence Montbliard, voilà, dans l'émission. Voilà, alors à Montbliard, donc cette fermette que quelques Louviérois avaient louée autour des années 50, vers 55, oui. Où se retrouvaient pas mal de gens qui étaient proches du surréalisme précisément, pour faire des jeux qui effectivement, des canulars, etc. Ils jouaient au boule aussi. Comment ? Ils jouaient au boule. Et c'était un des rares divertissements possibles à Montbliard, c'était de jouer au boule, un jeu traditionnel dans les campagnes. Et alors tu m'avais dit que Delhi c'était... Daily Express, Daily News. Il y a très certainement dans tout ça un jeu de mots. Oui, bien sûr. Daily, c'est aussi un délit. Tout ça, il faut. Oui, mais les surréalistes, ce sont des jeux de mots constants. Voilà, hein. Voilà. Et alors, c'est devenu une petite revue. Puis c'est devenu en tout cas un périodique, et puis c'est devenu la revue du Daily Bulle. Et petit à petit, quand l'esprit Bulle se constitue de plus en plus, à côté des éditions de Montbliard, il y aura des éditions du Daily Bulle. Et ce qui est curieux, c'est que cette maison qui est superbe, c'est une très belle maison. Hein. Je crois qu'elle appartient, tu m'as dit, à un ingénieur Oui, je ne sais pas très bien, mais enfin, toutes les maisons d'édition ont appartenu à des ingénieurs des mines. Ingénieurs des mines, hein, voilà. Parce que tout est créé à la fin du 19e siècle. Alors, la Louvière explose, ouais, à la fin du 19e. Moi, je pensais qu'ici, c'était l'ancienne maison de X, Y ou Z. Et en fait, j'apprends que c'est tout nouveau. Il y a quelques années, ils étaient ici pour faire de l'archivage. Donc, ce n'est même pas un centre culturel. Mais, c'est-à-dire que c'est un centre, oui, qui appartient au domaine public, puisque le bâtiment appartient à la commune. Oui. Mais donc, dans cette maison, on fait de l'archivage. Et il y a une, oui, personne et demie, grosso modo, à, oui, temps plein, à dans cette, oui, maison. Mais, oui, on archive quoi? Mais on archive tous les documents
que André Balthazar a accumulé au cours de son existence à la Louvière. Personne ne sait ce que c'est. Moi, je connais plein de gens de la Louvière à qui je dis vous êtes déjà allé au Télibu ? Il me dit c'est quoi le Télibu ? Ici, on retrouve des gens comme Chavez, comme Balthazar, tous des gens de gauche quand même. Bon, cette maison-ci, elle est subsidiée par une commune de gauche. Est-ce que c'est un centre politique ou bien est-ce que... Ah non, c'est absolument pas politique. Maintenant, tout est politique. À partir du moment où on se revendique de la liberté d'esprit, de la liberté de pensée, qu'on accueille les archives du Bâti Amoursou, qui a défendu Charlie Hebdo, dont vous allez parler, qui a défendu Charlie Hebdo, qui a été proche de Ciné, bien sûr qu'on n'est pas de droite, on n'est pas du côté de la NVA, ça c'est clair, mais ce n'est absolument pas lié à un parti politique. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement la gauche, encore que là, je sens que ça mais va réagir. Mais moi je n'aime pas ce mot-là, je préfère libertaire. Parce qu'il y a la vraie gauche et la fausse gauche. Mais parce que qu'est-ce que ça veut encore dire maintenant que gauche ? Mais qu'est-ce que ça veut encore dire que gauche ? Tu vois ce qui se passe en France ? Est-ce que Hollande est de gauche ? Oui, mais ça, là, on entre dans la politique, mais, je veux dire. Oui, oui, ça mais, va. Mais non, Hollande se dit de gauche. Moi, je trouve que Hollande n'est pas de gauche. Hollande a la même politique que Charles Michel. Oui, ou que Sarkozy. Ou que Sarkozy, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, moi, gauche. C'est pour ça que j'évite le mot au maximum. Okay.